Dans le cadre de la course pour la représentation des jeunes de la Moyenne Guinée au Conseil national de la transition, c'est finalement Boubacar Diallo de la préfecture de l'Abbé qui sera en compétition avec celui de la région de Mamou. Le recours en annulation introduit auprès des autorités régionales par le candidat de l'Eluma contre la sélection de son challenger de l'Abbé n'a accouché que d'une souris. En réalité, les critères de choix élaborés par le ministère de la Jeunesse ne prévoient aucun recours possible. Il y a eu la rédaction de l'UM nationale. Au moment où on finissait de corriger cela, le candidat de l'Eluma a trouvé qu'il avait beaucoup plus de fautes. Lui-même, il s'est retiré, il a voulu prendre son papier et le déchirer, mais malheureusement pour lui, le papier est là encore, les éléments sont là. C'est le retrait du candidat de l'Eluma qui nous a obligés de dire que c'est le candidat de l'Abbé seulement qui reste. On n'avait pas fini le processus. En conséquence, la démarche du gouverneur de l'Abbé, le colonel Robert Souma et son cabinet, qui ont reçu les trois candidats présentés par les préfectures de l'Abbé, l'Eluma et Touguet, dans le cadre des primaires de cette course pour le CNT, visait tout simplement l'obtention d'une solution consensuelle entre les intéressés et leurs encadreurs. Le travail qui a été fait à ce niveau était de voir s'ils pouvaient faire comprendre aux jeunes que l'intérêt était de trouver un jeune, ce n'est pas de faire un combat de questions de vie ou de mort pour dire qu'il faut obligatoirement ça, et finalement il n'y a pas eu entente. Mais face au refus des jeunes de s'entendre, l'autorité régionale a instruit son inspecteur de jeunesse de rendre compte de la situation qui prévaut à sa direction nationale. En pareille circonstance, l'avis de l'inspecteur de la jeunesse est déterminant pour le département qui n'a jamais demandé d'organiser une élection à la base pour identifier un candidat majoritaire. Pour le cas précis de l'Abbé, l'inspecteur de la jeunesse, Boubacar Bari, reste solidaire à la commission régionale de sélection.